Le carnaval de Rio s'est achevé en beauté avec la parade des vainqueurs. Cette année, c'est Beija Flor qui a remporté le prix convoité de meilleure école de samba. Elle a défilé dimanche matin devant les seconds et troisièmes du concours. Pendant deux jours, les plus grands danseurs du Brésil se sont affrontés dans une compétition acharnée. La décision du jury a pourtant fait l'objet d'une vive polémique. En cause, des accusations de financement douteux. Des journaux locaux ont en effet affirmé que Beija Flor avait reçu des millions de dollars de la Guinée équatoriale. Le groupe assure pour sa part qu'il n'a reçu qu'un soutien culturel et artistique de la part du pays africain. Ça y est, c'est que procurer un moment pour tenter d'envolver la cabeça du jurado, et grâce à Dieu, ça n'a pas été. Chacune des 12 écoles était notée sur 9 critères. Le vainqueur de la compétition ne reçoit aucune somme d'argent, seul un trophée et la gloire associée.